Salut, bonsoir. Bienvenue à vous tous. On va continuer avec notre cours sur les systèmes de numération. On en a énuméré quatre euh, systèmes. D'abord, le système euh, décimal, le plus connu de tous. Maintenant, euh, qui a 10 symboles ou chiffres pour euh, compter. Le système binaire, qui en a deux, qu'on utilise couramment en informatique. Ensuite, le système octal et le système hexadécimal. Le système octal, c'est 8. Et le système hexadécimal euh, a 16 symboles pour compter. Maintenant, dans le cadre de ce cours, qu'est-ce que nous allons faire nous allons faire des conversions entre les différents systèmes, d'accord Décimal, binaire, binaire, décimal, binaire, octal, octal, binaire, etc. Ensuite, on aura à faire les opérations, n'est-ce pas, sur et, et les différents systèmes. Par exemple, on aura à faire addition binaire, soustraction binaire, multiplication binaire et division binaire. Juste avant, je vais faire un rappel pour vous. Par exemple, si vous avez 512, par exemple, eh bien, 512. Si c'est dans le système bin et, 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 je dirais décimal, qui a 10 symboles pour compter, donc on dit qu'on travaille dans le système de base 10, eh bien, on doit préciser, on doit dire c'est le système, dans, une, dans le système décimal, qui a 10 chiffres pour compter, on dit 10. Par exemple, si c'est dans le système binaire, par exemple, j'ai 1, 0, 1, 0, parce que le système binaire n'a que 2 chiffres pour compter, je dois dire ça c'est dans la base 2. OK? Si c'est dans, dans le système octal, je dois, par exemple, si j'ai 5, 1, euh, 3, 4 dans le système octal, ok, et eh bien je dois dire là, non, je travaille dans le système octal de base 8. De même, si je travaille dans le système hexadécimal de base 16, par exemple, si j'ai 5F, d'accord, par exemple, et eh bien, je dois dire c'est base 16. Parce que dans le système hexadécimal, donc après 9. D'accord Pour arriver à 15, donc, on représente les, nombres, les, lettres, les chiffres par des lettres. Donc, A, c'est pour 10. B, eh, c'est pour 11. C, c'est pour 12. D'accord Etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à F, le dernier. Maintenant, par exemple, si on est là, OK, 512 dans le système décimal, on peut décomposer ce nombre. Je peux dire, par exemple, 512, OK, c'est euh, ici 5. En fait, je dois préciser que dans un nombre... D'accord euh, Les chiffres n'ont pas le euh, même poids. Par exemple, ici, et, et le, les, euh, euh, le poids d'un nombre augmente, d'accord Suivant la position euh, de, droite, de droite vers la gauche. Donc, euh, les chiffres de droite sont plus faibles, d'accord Sont de poids plus faibles que les chiffres euh, de gauche. Par exemple, ici, 2 est plus faible que 1, 1 est plus faible que 5, etc. Eh bien, nous disons que 2. Est le chiffre de poids le plus faible dans ce nombre et 5 est le chiffre de, de poids le plus fort. Par exemple, ici, je peux dire 2 euh, unités, ça c'est unité, dizaines, centaines, d'accord Ici, c'est unité, dizaines, centaines, d'accord Eh bien, je peux dire ici 5, c'est 5 centaines ici, 5 centaines, 1 dizaine, et puis 2 unités, eh bien, je peux dire c'est 5 par 100 parce que c'est centaines, d'accord Ensuite, et c ici c'est 1 dizaine c'est 1 par 10. OK? Et puis enfin, ici c'est 2 unités, c'est 2 par 10. C'est 2 par 1. OK? C'est 2 par 1. Ensuite, je peux réécrire ça pour faire apparaître la base 10. Vous savez que 100, c'est 10 exposant 2. et bien, je peux dire ici, c'est 5 par 10 exposant 2. Ici, je peux dire c'est 1 par 10. Regardez, on parle de 2. 10, 10 ici, c'est 10 exposant 1. D'accord? Et ensuite, 2 par 1. 1 ici, c'est 10 exposant 0. D'accord? C'est 10 exposant 0. Voilà. Eh bien, ici, je décompose 512 dans la base 10. Parce que 512 est un nombre décimal. D'accord, qui, 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 qui se trouve dans un système de numération à 10 chiffres. Donc, je fais apparaître le 10. De même, si j'ai 2400. 53 par exemple donc ça c'est unité dizaine centaine unité de 1000 donc maintenant je peux dire ici c'est 2 par ici c'est unité de 1000 c'est 2 par 1000 OK plus 4 par et, et par par 100 OK et puis 5 ici 5 par 10 et plus 3 par 1 OK et eh bien qu'est-ce que je, je peux dire là ici c'est 2 par 10 exposant 3 pour 1000, plus 4 par 10 exposant 2 pour 100, et puis 5 par 10 exposant 1 ici, voilà, et ici par 3 par 10 exposant 0, tout justement pour faire apparaître la base. En fait, maintenant, euh, comment, euh, et de même ici, d'accord, et si je suis dans la base en 2 pour un nombre binaire, je peux décomposer ça dans la base, dans la base 2, et bien qu'est-ce que je vais dire là? OK Qu'est-ce que je vais dire ici Par exemple, j'ai 1 0 1 0, 1 0 1 0, d'accord Eh bien, ici, c'est euh, le chiffre de poids le plus faible. Et puis ici, c'est le chiffre de poids de, le plus fort. Eh bien, ici, bon, généralement, on va parler de bits après, d'accord Je ne veux pas parler de bits, OK Mais on, on, en informatique, on parle de bits. Eh bien, ici, qu'est-ce que je vais dire Eh bien, je, je suis en binaire, en base 2. Eh bien, je vais dire ici, c'est 1, ici, regardez, il y a trois chiffres ici, mais eh je vais dire 2 exposant 3, ou bien 2 par 2 par 2 par 2, OK Ou bien ici, euh, je vais dire 0 par 2 exposant 2, et ici, je vais avoir 1 par 2 exposant 1, et ici, c'est 0 par 2 exposant 0, d'accord Voilà et eh bien, rapidement, je peux trouver ça en décimale. Eh, rapidement. Donc, quand j'ai 1, d'accord, dans la base 2, donc, je peux trouver son équivalent dans la base décima eh, eh, en, en décimale. Donc, ici, ça fait 8. Ça fait 0. Et ça fait 2. Et puis, ça fait 0. Donc, tout ceci, d'accord, euh, 1, 0, 1, 0, dans la base 2, équivaut à 10. Dans la base 10, dans la base 10. C'est pas la même chose, 10 dans la base 10, d'accord, avec euh, 10, et, et, et je dirais, et, bon, il faut prendre précaution avec la notation. Euh, Dieu merci, on a, bon, un, on, bon, un hasard a permis que l'on a 10 dans la base 10, donc il faut prendre beaucoup de précautions, ça veut dire 1, 0, 1, 0. D'accord, c'est 10 dans la base 10, en décimale. Euh, le 10 qu'on avait l'habitude de compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est ce 10-là qui est là. Ou bien, si, vous n'êtes pas convaincu, je peux convertir, d'accord, ce 10 qui est en décimal en binaire pour trouver exactement ça. Et pour cela, qu'est-ce que je dois faire Je peux faire une division par 2, d'accord Je peux faire une division par 2, ce 10-là pour trouver ça. Donc 10 divisé par 2, d'accord Je veux trouver ça. Donc ça va faire ici, euh, ça fait 4, ça fait 5, je m'excuse. Et 5 fois 2, 10, donc 10, 2, 10, 0. Maintenant, en, en binaire, on, on aura besoin de ce 0 là. D'accord? Maintenant, je continue. Euh, je dis euh, 5 divisé par 2 par je divise par 2. 5 divisé par 2, ça fait 2 fois. 2 fois 2, 4, 4, 2, 5, ça fait 1. On aura besoin de ce 1. Et puis 2 divisé par 2. Ça fait 1, une fois 2, 2, 2, 2, 2, 0. On a besoin de ça et on a besoin de ça. Donc, on écrit ça dans ce sens. OK? Dans le sens de bas en haut. Je peux dire 10 dans la base 10 équivaut à 1 de bas en haut. 1, 0, 1, 0, 1, 0. D'accord? Et ceci dans la base binaire. Donc, vous voyez, nous trouvons la même chose. Donc, vous êtes convaincus. Donc ici, vous voyez, donc 10 dans la base 10 équivaut à 1, 0, 1, 0 dans la base 2 voilà donc maintenant en dernier lieu euh, ok un dernier rappel un dernier rappel si par exemple j'ai euh, 33 33 c'est dans la base 10 d'accord donc je veux avoir son équivalent en binaire et bien rapidement qu'est ce que je dois faire? je dois faire une division par deux la première méthode une division par deux d'accord ça veut dire ça fait 3, Divisé par 2, donc ça fait une fois ici, ça fait, euh, je prends un chiffre, une fois de 2, 2, 2, 3, ça fait 1, ça fait 3, 13 ici, d'accord, eh bien ici ça va faire 6, euh, ça va faire 1 ici, donc je continue, je divise par 2, d'accord, je divise par 2, ce 1 là je vais avoir besoin, donc ça fait 8, 8 fois 2, 16, 2, 16, 0, je vais avoir besoin, 8 divisé par 2, donc, ça fait 4, 4 fois 2, 8, ça fait 0 ici, je vais avoir besoin. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois 2, 4, 4, 2, 4, 4, 0, je vais avoir besoin de ça. Et 2 divisé par 2, ça fait 1, une fois 2, 2, 2, 2, 2, 0. D'accord Et puis, je vais avoir besoin de ça. Donc, ça veut dire, euh, je vais dire ici, d'accord, 33 dans la base 10 équivaut, on prend ça du bas en haut, c'est 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 4, 0. Et puis 1. Voilà. Et ceci en, 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 en binaire, en base 2. Maintenant, si je veux, ouais, regardez, je commence à faire du bas en haut. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Maintenant, je vais faire l'inverse, l'opération inverse. Je vais convertir ça en décimal pour trouver 33. Et pour cela, je vais dire 1, 0, 0, 0, 4, 0, 1. D'accord Qui est en base 2 Je vais mettre ça en décimal. Et eh bien je vais dire maintenant, ici je suis à 1, le bit de, de poids le plus fort est fort, je peux prendre aussi ici, mais couramment on commence d'accord de droite et de gauche vers la droite pour dire que ici 1 c'est le chiffre de poids le plus, plus fort. Il y a combien de chiffres après On a 1, 2, 3, 4, 5, et eh bien je vais dire que c'est 1 par 2 exposant 5, plus ici 0 par 2 exposant 4, plus 0 par 2 exposant 3, plus 0 1 euh, par 2 exposant 2, plus 0 par 2 exposant 1, euh, et enfin 1 euh, par 2 exposant 0. D'accord C'est comme ça. Donc, prenez de soin de faire ça. Maintenant, ici, 1 par 2 exposant 5, ça fait 32. D'accord Et puis tout ceci, ça fait 0 ici, 0 ici, 0 ici, parce qu'il y a des multiplications par 0, 0. Et puis 2 exposant 0, ça fait 1, un, une fois 2, 2. Et une fois, je m'excuse, deux exposants zéro, ça fait 1. Un, une fois 1, un, ça fait 1. Donc, tout ceci, ça fait 33 encore dans la base 10. Maintenant, avec ces deux exemples-là, je pense que vous pouvez faire. Maintenant, il y a d'autres moyens. Donc, euh, il y a une autre moyen que j'ai utilisé. Donc, je vais mettre pour vous le lien en description pour vous montrer qu'il y a une autre, une autre façon de faire. Couramment qu'on fait eh, les réseaux informatiques, qu'on travaille dans l'informatique, comment on fait. On n'aura on pas tout le temps à faire des divisions par deux. D'accord On a utilisé une autre méthode. Maintenant.